Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette troisième table ronde organisée dans le cadre des rencontres professionnelles de l'AMSTI, la nouvelle donne de la culture scientifique, technique et industrielle. Donc, je suis Agnès Parent, directrice des publics au Muséum national d'histoire naturelle et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle numérique de Sciences et Avenir. Alors, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, sciences et médias, interaction, subordination, collusion, point d'interrogation, va nous permettre de poursuivre notre réflexion sur les défis que nous avons aujourd'hui à relever pour partager la connaissance, nous acteurs de la culture scientifique, mais défis qui concernent également la communauté scientifique dans sa globalité et les médias dans leur grande diversité. Les partageons-nous ? La question sera, je pense, sûrement soulevée par nos intervenants. Mardi, lors de la table ronde « Urgence sociétale et réalité de la science », un certain nombre de points ont déjà été abordés. Je ne vais pas en faire un résumé, mais pour lancer le débat, j'ai relevé deux propos qui peuvent alimenter nos échanges. Bruno David a parlé de bruit de fond, très difficile à maîtriser, en faisant référence justement aux échanges d'experts sur la pandémie, « experts » entre guillemets, bruit de fond ayant, selon lui, pour résultat de mettre sur le même plan science et opinion. Et Étienne Klein a évoqué une bataille à mener, très intéressant, contre ceux qui font de la contre-éducation et de notre rôle pour donner du goût à la science. Alors, nous avons structuré cette table ronde en trois temps d'environ 30 minutes chacun. N'hésitez pas à nous poser des questions via le chat. On essaiera évidemment de les relayer le plus possible à nos intervenants, au beau panel d'intervenants que maintenant Olivier va vous présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je suis effectivement, je suis journaliste. Je m'appelle Olivier Lascar, je suis rédacteur en chef du pôle numérique de Sciences et Avenir. Sciences et Avenir, média bien connu, magazine bien connu, mais qui maintenant est aussi un site web qui cartographie au quotidien l'actualité des sciences. Je suis journaliste, mais aujourd'hui, dans cette table ronde, vous allez voir, il n'y a pas que des journalistes. C'est un riche panel que nous avons réuni. Bravo à l'AMSTI d'avoir réuni tous ces intervenants. Et on va entendre au fur et à mesure de cette heure, d'abord, par exemple, Loïc Bommersbach. Loïc, vous êtes social media manager au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Nous avons aussi avec nous Alain Sirou, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace, Pascal Crépé qui représente les scientifiques. Vous êtes enseignant-chercheur en épidémiologie et biostatistique à l'École des hautes études en santé publique. Daniel Fievé, journaliste à France Inter, animateur de l'émission Le Temps d'un bivouac qu'on retrouve tous les samedis à l'antenne d'Inter. Stéphane Foucard, alors Stéphane Foucard, on l'espère, va pouvoir nous rejoindre. Pour le moment, il y a un problème de Wi-Fi. Stéphane est évidemment journaliste au Monde, auteur d'ouvrages sur les sciences et leur diffusion. Marion Sabourdi est avec nous également. Marion est chargée des nouveaux médias à la CASMAT, le CCSTI de Grenoble. Et enfin, nous avons Yves Siama, journaliste scientifique, président de l'AJSPI, c'est-à-dire l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Alors, le premier temps de cette discussion, de cette table ronde, ça va être un peu l'occasion de définir quelles sont, si je puis dire, les forces en présence dans ces débats, dans cette façon qu'on a de vulgariser la science. Il y a les journalistes, il y a les médiateurs, les médiatrices, et évidemment, il y a les scientifiques eux-mêmes, sans lesquels rien ne serait possible. Alors, je vais commencer avec vous, Pascal Crépé, puisque vous représentez les scientifiques à cette table ronde. Avec la crise du Covid, on a vu que les médias ont eu une certaine difficulté, en tout cas certains médias, les médias généralistes, ont eu une certaine difficulté à faire passer la parole des scientifiques. Vous-même, vous avez eu quelques pratiques en cette occasion de cette parole vers le grand public. Les scientifiques sont peu habitués à cet exercice. Est-ce qu'ils sont entraînés à ça? Est-ce que c'est une problématique qui est devenue importante dans leur formation?
Alors déjà bonjour et merci pour l'invitation. Genre, je ne sais pas si je devrais vous remercier de m'avoir chargé de cette lourde tâche de représenter les scientifiques. En tout cas, je ne sais pas si les scientifiques me remercieront, eux. Donc pour répondre à votre question, la réponse à votre question, elle est assez complexe. Je pense que la première réponse qu'on peut faire, c'est que non, les scientifiques ne sont pas forcément formés à parler à des journalistes ou à parler au grand public. Néanmoins, ils ont une certaine pratique de la valorisation de leurs travaux, d'une part, et puis d'autre part de la pédagogie, en tout cas pour la grande partie des scientifiques qui font de l'enseignement, et bien sûr les enseignants-chercheurs dont je fais partie, pour lesquels c'est une pratique assez commune. Et je pense que, enfin, en tout cas, si je me réfère à mon cas, le fait d'avoir justement cette habitude et cette pratique de la pédagogie à des publics qui sont pas forcément scientifiques et qui ont des formations initiales très diverses et pas forcément toujours de ma propre formation initiale. Ça donne une sorte d'entraînement pour trouver les termes, trouver les images, trouver les paraboles, les bonnes métaphores pour faire passer les concepts. Mais c'est quelque chose, effectivement, qu'on apprend sur le tas. Et qui est forcément compliqué. Et la crise, en plus de ça, qu'on a vécue, est venue compliquer la donne, parce que le travail de relais justement des travaux scientifiques, c'est à incomber pas seulement aux journalistes scientifiques, mais aux journalistes plus généralistes ou spécialisés dans d'autres domaines, qui n'avaient pas forcément l'habitude de parler aux scientifiques ou de relayer la parole des scientifiques. Et je veux dire que ça a certainement aussi complexifié un peu la tâche à ce niveau-là. Mais on pourra en reparler. Alors, on va donner la parole maintenant à Yves Siama, justement, pour rebondir sur les propos de Pascal Crépet. Donc, en tant que président de l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information, justement, il y a les journalistes et il y a les journalistes scientifiques. Donc, les journalistes scientifiques, déjà, qui sont-ils? Est-ce que ce sont d'anciens scientifiques, d'anciens étudiants en sciences, des chercheurs en reconversion? Et comment vous voyez leur rôle ou leur fonction par rapport justement à la grande catégorie des journalistes? On vous entend pas, Yves. Il faut que vous mettiez votre... Voilà, ça y est. Toutes mes excuses. Donc je redis bonjour. Et pour répondre à votre question, les journalistes scientifiques, ils sont tous différents, bien entendu, mais ce qu'ils ont en commun, c'est que ce sont des professionnels du journalisme et qui couvrent la science. C'est pas leur formation ou leur titre qui font les journalistes scientifiques. Il y a des journalistes scientifiques qui ont des doctorats ou qui ont fait de la recherche, d'autres qui ont fait des études d'histoire ou d'économie. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont une spécialité et ils couvrent la science comme les journalistes sportifs couvrent le sport, les journalistes politiques couvrent la politique ou les journalistes économiques l'économie. Et cette spécialisation, c'est elle qui fait un peu le gage de qualité et d'exactitude et de compétence. Et je crois que c'est ce qu'on a vu. On a vu dans la crise du Covid que c'est ça qui a manqué à un certain nombre de médias, qui n'avaient pas du tout de journalistes scientifiques dans leur rédaction, et qui souvent se sont beaucoup plantés au début, alors que les journaux qui avaient des journalistes qualifiés et expérimentés en général, ont en tout cas déjoué les principaux pièges que nous a posés cette pandémie. Globalement, je dirais qu'il y a peu de journalistes scientifiques dans les médias, trop peu. Ceux qui en ont le plus, les rédactions comme Le Monde, en ont une dizaine sur plusieurs centaines de journalistes. Il y a beaucoup de médias audiovisuels qui n'en ont absolument aucun. Et c'est un vrai problème. Et la deuxième chose sur laquelle je veux insister, c'est que même quand ils existent, ils sont souvent loin du pouvoir médiatique.
c'est-à-dire qu'ils sont peu écoutés par les rédactions en chef. C'est un peu vers eux qu'on se tourne à la fin de l'ordre du jour. Et bon, peut-être que le Covid peut être une occasion de changer un peu ça, mais pour l'instant, c'est ça le rapport de force, je dirais. Alors, Yves a employé le terme de crise là, dans son intervention. Alain Siroux, vous êtes directeur de la rédaction de Ciel et Espace. Et depuis ce poste privilégié, vous avez vu évoluer la situation de la presse et vous avez vu cette crise à poser ses crocs sur notre profession de journaliste. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Comment tout ça a évolué? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de la presse aujourd'hui sans comprendre le contexte dans lequel opèrent aujourd'hui les rédactions de façon large. La presse au sens large, c'est les journaux, c'est les magazines, c'est la radio, c'est la télévision. Et on est obligé de dire aujourd'hui que c'est un secteur en crise, et en crise extrêmement profonde. Peut-être qu'on pourrait le comparer à la crise qu'a connu la musique il y a une vingtaine d'années. Moi, je dis souvent qu'on vit un Big Bang exactement comme lorsque les moines copistes ont vu arriver les imprimeurs. C'est un changement de monde. Et cette crise a démarré il y a peut-être une vingtaine d'années, peut-être même encore avant, selon un certain nombre d'historiens de la presse, mais elle concerne tout le monde. Elle concerne la radio, elle concerne la télé et la presse écrite. Radio, même si tout le monde aujourd'hui se félicite de bonnes audiences, on voit et on mesure vraiment une baisse régulière de l'audience radio chez les jeunes. C'est clairement vraiment une montée en puissance des modes d'écoute liés au digital. Donc on voit vraiment qu'il y a un changement de monde. En 10 ans, la radio a perdu 20 points sur les moins de 25 ans. Même si ça reste un média extrêmement fort et concentré sur certaines plages horaires. Pour la télévision, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est une baisse régulière d'audience, la durée d'écoute est en chute libre. Depuis 2012, on note et on mesure vraiment un lent déclin. Même si 70% des Français regardent la télévision tous les jours, la télévision dite de rattrapage, mais aussi les plateformes comme Netflix, la VOD, etc., ont pris au fur et à mesure du temps d'attention, et on voit vraiment justement l'indice d'écoute baisser absolument régulièrement. Quant à la presse écrite dans laquelle on travaille, eh bien, elle est aussi, elle connaît, je dirais, une déflagration absolument énorme. Les quotidiens nationaux, alors les mesures qu'on a sur les 4 dernières années montrent, par exemple, pour Libération, je crois que c'est moins 40% en termes de diffusion. Pour la presse quotidienne et régionale, c'est la même chose. C'est moins important, bien évidemment, quand on voit des gros groupes comme Ouest France, mais on note des moins 15 à moins 20%. Sur les news mag, c'est-à-dire l'Express, l'Obs, Le Point, etc., les baisses ont été extrêmement importantes. Sur les 4 dernières années, par exemple, je vous donne les chiffres pour l'Express, c'est moins 48% de ventes en kiosque. Le Nouvel Obs, moins 53%. Et ça, vous pouvez l'étendre à pratiquement toutes les familles de presse. Et quand on regarde dans le détail les ventes en kiosque, je reste juste sur les ventes en kiosque et sur ce qui se passe dans ce domaine-là, eh bien, on assiste finalement à plusieurs phénomènes cumulés. Le premier phénomène, c'est la baisse du nombre d'acheteurs. Très clairement, le nombre d'acheteurs a diminué dans les kiosques, et en particulier, on note de façon très importante la baisse du jeune lectorat. Il y a de moins en moins de jeunes lecteurs. La seconde chose qui impacte profondément la presse, ce sont les recettes publicitaires. La presse quotidienne nationale a vu en 20 ans une baisse de l'ordre de 60 à 70% de ses recettes publicitaires. On en est encore à moins 30 en 2020 par rapport à cette époque. Troisième élément, le nombre de kiosques a diminué de façon extrêmement importante. On considère aujourd'hui qu'on perd à peu près un millier de kiosques par. Alors, on vous entend pas très bien. Le nombre de kiosques commençait à se transformer.
Oui, vous m'entendez bien là, ça va? Ça se stabilise là, oui. Alors, vous parliez de la diminution du nombre de kiosques. Diminution du nombre de kiosques, et on a assisté donc à l'effondrement du système de distribution cet été avec la faillite de Presstalis qui a précipité bon nombre de fabricants de journaux dans un marasme important. On a vu d'ailleurs Le Canard enchaîné annoncer pour la première fois de son existence un déficit. Donc on est dans une crise extrêmement profonde, une crise qui touche tout le monde et bien évidemment la presse scientifique n'y échappe pas du tout. Vous pouvez aujourd'hui considérer que chaque année, les journaux qui sont vendus dans les kiosques et au grand public perdent à peu près 10% de leur chiffre d'affaires de façon annuelle. Imaginez une entreprise qui, chaque année, depuis une dizaine d'années, perd 10% de son chiffre d'affaires. Alors, ça touche tout le monde, pratiquement personne n'échappe à cela, et la réaction qui a été celle de pratiquement tous les éditeurs, d'abord, ça a été par rapport à la baisse de la demande, d'augmenter l'offre. Donc plus de magazines, plus de titres qui se sont mis à encombrer les kiosques et qui n'ont pas réussi à faire autre chose que de maintenir artificiellement le chiffre d'affaires pendant un certain temps. Et puis après, on a cherché des nouveaux formats. Donc vous avez vu apparaître des magazines qu'on a appelés par exemple les MOOC, c'est-à-dire un mélange de magazines, de books, de livres qui, pour un certain nombre d'entre eux, mais très peu, ont réussi à tenir quelques années. Et puis après, on a cherché de façon encore désespérée à changer de périodicité pour un certain nombre de titres. Évidemment, les conséquences dans la réduction du nombre de salariés dans les entreprises se sont traduites par une baisse des renouvellements de postes. On a aussi travaillé, bien évidemment, la question des abonnés, essayer de garder un lien privilégié avec les abonnés qui sont ceux qui nous suivent de façon de plus en plus fidèle. Et puis, un investissement dans le numérique, avec le développement de sites, avec la radio, en particulier les podcasts, avec des formats vidéo nouveaux qui se sont installés. Et on voit bien donc, pour conclure, que les journaux sont dans une crise profonde, la presse dans son ensemble est dans une crise extrêmement profonde qui va conditionner à l'intérieur de ses rédactions les moyens dont elle dispose, le soutien qu'elle peut avoir par rapport à ses propriétaires, et je dirais aussi peut-être le traitement de l'information, parce que celui qui ne réussit pas aujourd'hui à vendre correctement sa publication a une probabilité non nulle de disparaître assez rapidement. La plupart des ressources ont été épuisées, la plupart des fonds ont été consommés. Et on peut voir aujourd'hui, en particulier dans la presse scientifique, et je peux citer l'exemple de Science et Vie dont on suit aujourd'hui les grandes difficultés par le rachat d'une nouvelle entreprise qui s'appelle New World, on voit aujourd'hui une rédaction mise en danger par un nouveau mode économique de traitement de l'institution. Qui était Science et Vie, et qu'est Science et Vie finalement dans la presse scientifique. Et donc on voit bien que aujourd'hui l'impact de la crise de ce secteur conditionne de façon extrêmement importante la façon dont on va traiter le sujet et en particulier bien évidemment le lien avec l'actualité et les scientifiques. Merci beaucoup Alain Sirou. Je vais passer la parole à Stéphane Foucart pour réagir sur bah, les propos de Monsieur Sirou et ce qui parle donc, de cette crise très importante et avoir votre avis justement. Bon, Le Monde est un journal où il y a encore pas mal de journalistes scientifiques, mais voilà, comment voyez-vous l'avenir? Est-ce que cette pandémie a généré un petit frémissement ou pas du tout, vous êtes plutôt inquiet, comme Monsieur Sion. Je ne sais pas si Stéphane m'entend bien. Ah, il faut mettre le micro, Stéphane. Voilà, vous m'entendez là? Oui. Bon.
Bon, désolé hein, pour le petit ratage technique. J'ai pas pu écouter ce que Yves a dit sur la situation actuelle du journalisme scientifique. Je voudrais juste dire deux mots un petit peu à propos du Monde qui a une situation un petit peu à part dans le paysage. Nous au Monde, on vit pas du tout une crise de la diffusion. La diffusion papier, bien évidemment, s'effondre, mais on a toujours une diffusion qui est très soutenue, notamment grâce au web et aux abonnements. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que bon, je partage bien évidemment ce qu'a dit Yves sur la fin de son intervention, hein, que j'ai réussi à capter. Je suis tout à fait conscient du fait qu'il y a de moins en moins de journalistes scientifiques dans la majorité des médias, et surtout, comme le disait Yves, que culturellement, le journaliste scientifique est toujours un petit peu à côté du reste de la rédaction, c'est-à-dire que les principaux lieux de pouvoir dans les rédactions parisiennes sont occupés par des gens qui n'ont pas de culture scientifique, qui ont d'autres formes de culture, historique, juridique, ce genre de choses, mais ce sont des gens qui sont en général très peu intéressés aux sciences d'une manière générale. Chez nous, c'est très différent. Il se trouve que le directeur du Monde est un ancien rubricaire astronomie. Jérôme Fenoglio a tenu la rubrique astronomie pendant un certain nombre d'années, donc il est tout à fait passionné par la question scientifique, et ça se voit d'ailleurs dans les stratégies de recrutement. Au Monde, on a une part non négligeable de la rédaction, hein, le service Planète Science, qui est composé de voilà, bon an mal an, entre 15 et 20 personnes, et qui sont des gens qui sont soit journalistes scientifiques, qui se revendiquent journalistes scientifiques, soit des gens qui, du fait des sujets qu'ils traitent au jour le jour, ont un lien particulier avec les questions de science et société. Donc voilà, donc le Monde est un petit peu à part dans le paysage un petit peu catastrophique qui est dépeint. Moi, je crois que la crise du Covid va malgré tout, et d'autres crises qui arrivent, hein, la crise de la biodiversité, la crise climatique, toutes ces questions qui sont aussi des questions scientifiques avant d'être des questions politiques ou économiques, je pense que ces crises qui arrivent en série vont nécessairement contraindre les patrons de presse à revoir leur relation à l'information scientifique. Et on voit avec la crise du Covid que la plupart des rédactions, en tout cas audiovisuelles, n'ont pas du tout été à la hauteur de l'événement, et qu'il a manqué dans ces rédactions ce que les journalistes scientifiques ont, c'est-à-dire pas seulement une appétence, une curiosité, une compétence sur les questions de science, mais aussi un recul critique sur la parole scientifique, parce que c'est aussi souvent quelque chose qui est reproché à la presse, c'est de dire bah, vous traitez mal ces questions, est-ce que vous parlez pas bien de la science. Mais en réalité, le problème, il est bien évidemment un problème de médias et de journalistes, mais il est aussi en amont un problème de la prise de parole de certains scientifiques, je dirais. Du climato-scepticisme au covido-rassurisme aujourd'hui, ce sont toujours des gens qui se réclament de leur titre scientifique, de leur titre académique, de leur position dans la communauté savante. Ce sont des gens qui sont parés de tout cet apparat, qui prennent la parole et qui diffusent des informations qui sont soit erronées, soit trompeuses, soit qui ne mériteraient pas d'être portées à la connaissance du public. Donc en fait, journalisme scientifique, c'est pas uniquement être dans la transmission, dans la vulgarisation, c'est aussi une démarche qui est une démarche critique vis-à-vis de la manière dont l'autorité de la science est mobilisée dans l'espace public. Donc voilà, je pense que voilà, ayant vu ce qu'on a vu avec la crise dans laquelle on est toujours empêtré, je crois qu'il n'est pas possible que les patrons de presse ne réagissent pas et ne se saisissent pas de cette question-là et ne recrutent pas dans les rédactions des journalistes qui ont précisément à la fois cette bienveillance mais aussi ce recul critique par rapport à la parole scientifique telle qu'elle est donnée dans la conversation publique. Dans ces acteurs de la transmission que vient de décrire Stéphane, il y a donc la position particulière, Marion Sabourdi, des médiatrices, des médiateurs, qui mènent une activité qui est loin d'être nouvelle, mais dont on peut avoir l'impression qu'elle a plus de visibilité aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est une impression qui est trompeuse, ou Marion Sabourdi de la Casemate, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, c'est vrai que quand on avait préparé ce rendez-vous, on avait discuté donc du métier, enfin des métiers finalement de la culture scientifique. On a commencé sur la figure du médiateur,
On a enchaîné aussi par rapport à cette visibilité sur la figure du vidéaste, qui est finalement un acteur plus récent de la culture scientifique et qui a amené peut-être un peu plus cette visibilité au grand public. Disons que jusque-là, quand on parle de centres de sciences, de musées, de muséums, en tout cas c'est une sensation plutôt personnelle, j'avais l'impression que le public pouvait penser qu'on était des scientifiques nous-mêmes, qu'on venait dans ces lieux-là expliquer la science. Et la figure du vidéaste et de ces amateurs de science, enfin pro-amateurs de science, les pro-âmes, comme on dit, qui ont pris la parole sur ces questions-là, finalement, a redonné un peu plus de visibilité à ce profil d'une personne qui n'est pas scientifique, qui peut avoir une formation scientifique, un peu de la même manière qu'un journaliste. Hein. C'est quelqu'un qui va parler de la science, mais comme disait Yves, c'est pas forcément quelqu'un qui est au départ chercheur ou formé en sciences, mais dont le métier est de pouvoir présenter des sujets scientifiques, évoquer tisser des liens entre science et société. Et voilà, et cet avènement des vidéastes vers à peu près les années 2012-2013 en France a redonné peut-être un peu un coup de projecteur sur ces métiers, tout en les re-questionnant, parce que du côté des acteurs un peu institutionnels de la culture scientifique, cette arrivée des vidéastes les a aussi bousculés, parce qu'on a des jeunes en général, plutôt jeunes, la vingtaine, qui sont arrivés, qui se sont mis à parler de science, qui ont touché un public beaucoup plus jeune que celui qu'on arrivait à toucher, nous, acteurs, les centres de sciences, les muséums, typiquement les publics adolescents, qui ne viennent pas forcément dans nos lieux. Donc voilà, c'est à la fois, pour répondre à ta question, Olivier, c'est à la fois une meilleure visibilité de nos métiers, et en même temps, tout ce qui se passe en ce moment sur le numérique les bouscule aussi. Et puis bien sûr, je parle de médiateurs, mais au même titre que dans une rédaction, il n'y a pas que des journalistes. Dans nos lieux, sur le web, il n'y a pas que des médiateurs. Il y a des chargés de projet, des chargés de com, des conservateurs, des fab managers même dans certains lieux. Il y a aussi des journalistes et des communicants au sein de nos lieux. Donc voilà, c'est vraiment un paysage très varié. Avec un dénominateur commun qui est l'interface avec le public. C'est quand même aussi ce qui vous caractérise par rapport aux autres acteurs de cette discussion. Alors oui, mais j'imagine qu'aussi les journalistes se posent ces questions-là et ne sont plus seulement des personnes qui vont diffuser une information, on va dire. Il y a aussi cette question, je pense, qui se pose sur le lien avec le public. Mais c'est vrai que nous, dans nos métiers, c'est aussi cette base et on va dire le terme médiateur le représente bien. C'est à la fois un lien, un pont. C'est aussi une forme de questionnement, de discussion, de contextualisation, un peu comme l'a dit Stéphane Foucard à l'instant. C'est aussi notre rôle de lancer la discussion, le débat, pas seulement de venir présenter béatement des résultats de recherche. Alors on a un peu de la même manière que dans un magazine, par exemple, on a peut-être des aspects plus vulgarisation et d'autres peut-être plus enquête. Mais de la même manière, dans nos lieux, on peut avoir des temps et des formats qui sont plus de l'ordre de la diffusion de résultats scientifiques, d'infos sympathiques, on va dire, de choses un peu de l'ordre du divertissement, mais aussi des formats, des discours, des formats, des expos qui sont plutôt de l'ordre du questionnement, des sciences participatives aussi, des relations sciences-société. Donc voilà, nos lieux et nos acteurs ne sont pas que, on va dire, des animateurs de sciences, même si ce métier est très bien et très intéressant, mais on est dans le terme médiateur. Pour moi, il y a vraiment cette réflexivité et ce travail de tisser des liens et d'aller plus loin que seulement présenter des résultats scientifiques. Pour rebondir par rapport à ce propos, je donne la parole à Loïc Rosbach, qui est aussi face publique d'une certaine manière, avec ses nouveaux métiers qui apparaissent évidemment dans le cadre des centres de culture scientifique et technique, mais évidemment dans toutes les grandes institutions. Donc, vous êtes social media manager. Alors, c'est quoi comme métier? C'est un métier qui se rapproche du journalisme, de la médiation. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a un sens, justement, de créer ces distinctions avec les métiers qui évoluent un petit peu partout? Merci pour votre question. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que c'est des métiers qui évoluent, c'est des métiers qui permettent donc d'utiliser à bon escient les contenus qui sont produits par des journalistes, des producteurs de contenus. Et l'idée, c'est de relier le
le plus qu'on puisse avec ces audiences, ces communautés en ligne, pour essayer de leur faire passer un message, les intéresser à ce qu'on fait. On a cette chance ici au CERN, donc c'est l'un des plus grands laboratoires au monde. On a cette chance, donc c'est un laboratoire de recherche, il y a des chercheurs, des ingénieurs, mais il y a aussi des gens qui viennent sur place. On a environ, en temps normal, 150 000 visiteurs par an. Donc on a un musée, on a des visites possibles. Donc c'est un lieu d'expérimentation en communication, en médiation aussi. Ça c'est intéressant. Et on peut tester des choses en direct avec ces publics sur place. Donc ces nouveaux métiers, il y a community manager, social media manager, content manager, donc on entend. Dans les rédactions aussi, c'est devenu des métiers clés, hein, que ce soit au Monde ou dans d'autres rédactions. On a besoin d'utiliser au maximum ces médias sociaux pour faire passer des messages, parce que comme l'a dit Alain Sirou, c'est vrai qu'on voit que le papier est un peu en chute libre, donc il faut trouver d'autres moyens de parler avec ces gens qui sont intéressés par les sciences, mais aussi d'ouvrir vers d'autres publics. Nous on utilise par exemple, on fait appel, comme Marion l'a souligné, on travaille avec des influenceurs, des vidéastes, des créateurs de contenu qui ne sont pas liés au CERN, mais qui viennent ici et qui profitent, en profitant d'une visite, peuvent tourner une vidéo et peuvent toucher d'autres publics que nous, CERN, en premier lieu, on ne pourrait pas toucher. On a des créateurs russes, d'Arabie Saoudite, américains qui viennent et qui touchent des publics qu'on ne peut pas toucher dans un centre de recherche public, parce qu'on n'a pas forcément, un, l'argent, et puis deux, ce n'est pas des publics cibles pour nous, mais c'est intéressant de pouvoir élargir, et les médias sociaux permettent ce genre de choses. Merci Loïc. Il a été question de la radio, à un moment c'est Alain Sirou qui parlait de la radio, alors s'il y en a un qui connaît bien la radio, c'est Daniel Fievé. On a l'impression que Alain la connaît très bien aussi, évidemment, qui a une longue expérience à Europe 1, mais Daniel, avec le temps d'un bivouac, vous avez... Vous tenez le thermomètre, si je puis dire, par rapport à l'appétence qu'ont les auditeurs sur le sujet des sciences en radio. Et on a l'impression que ça reste quand même un lieu un peu privilégié pour la question scientifique. Il y a la méthode scientifique sur culture, il y a votre émission, il y en a d'autres. Est-ce que c'est juste de dire que la radio reste encore le lieu où la parole scientifique peut se développer avec le plus de bienveillance ? Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors je ne vais évidemment pas dire que ce n'est pas le bon endroit pour parler de science, ce serait bizarre. Après, de dire que c'est le seul endroit, je ne sais pas. Effectivement, en tout cas, alors c'est tout à fait vrai ce qu'a dit Alain Sirou sur le fait que les audiences radio dans l'ensemble s'érodent d'année en année, on le constate, on essaye d'imaginer d'autres supports, notamment avec les podcasts, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Pourquoi la science se porte plutôt bien à la radio ? Je peux que tenter des hypothèses, mais j'ai pas de réponse absolue à cette question. Sur France Inter notamment, il y a plusieurs exemples d'émissions scientifiques qui marchent. Il y a de longue date Les Petits Bateaux, où on aborde des émissions scientifiques. Il y a Amezen qui fait Sur les épaules de Darwin. L'émission a été changée d'horaire, mais elle existe toujours. Il y a la Tête au carré qui est devenue La Terre au carré. Et effectivement... Déjà, je pense, c'est vrai que ça marche, mais ce n'était pas sûr d'emblée. Et déjà, il y a eu peut-être le culot de le faire, ou en tout cas l'envie de le tester. Peut-être que c'est ce qui fait la différence avec la télé. Peut-être que les audiences radio sont scrutées, certes, mais pas au jour le jour, à la minute près, à la seconde près. Ce qui fait qu'on tente des fois des choses qui, sur le papier, ne sont pas gagnées d'avance. Enfin, je pense que Jean-Claude Amezen, ce n'était pas gagné d'avance sur le papier. Ça a été un vrai succès, mais peut-être que c'est parce qu'on laisse le temps aux émissions de s'installer, peut-être aussi parce que, comme ça coûte quand même moins cher de lancer une émission de radio, on tente un peu plus facilement. En tout cas, et il y a aussi effectivement ce que vous suggériez, Olivier, l'idée qu'en radio, on a un peu plus le temps de parler. En même temps, quand on a plus de temps pour parler, ça peut aussi devenir très chiant, hein, quand on prend beaucoup de temps pour dire des choses, des fois, c'est pas passionnant. Donc, je le constate et je regrette. Moi, je pense quand même qu'il y aurait la place pour plus de science à la télé. Il n'y a pas de fatalité là-dessus. C'est aussi une question de volonté de le tester. Actuellement, je me souviens d'avoir assisté à un débat où il y avait tous les producteurs... de documentaires de la télé, et il y avait une des responsables des documents des programmes de France 2 et qui avait dit, ah ben oui, mais on est une chaîne généraliste sur France 2, donc on fait entre 1 ou 0 documentaires scientifiques par an sur France 2.
ça m'avait paru un argument assez foireux. Déjà, entre 1 et 0, je trouvais qu'on était quand même vraiment pas très loin. Et puis, surtout, comme si les sciences n'avaient pas leur place dans le contexte généraliste des contenus. Là-dessus, je rejoins Stéphane, Stéphane Foucard, qui disait tout à l'heure que parmi les décideurs, ils ont certainement énormément de culture, mais manifestement, la culture scientifique ne fait pas partie vraiment de leur centre d'intérêt ou de leur formation. Et je trouve que ça se ressent dans les décisions, alors dans les décisions politiques, mais aussi dans les décisions de programmation et de mettre de la science à l'antenne. Ce que je trouve bien aussi sur France Culture ou sur France Inter, c'est qu'on a tendance aussi à inviter des scientifiques parfois dans des émissions hors sciences et de les mettre dans des contenus culturels, parce qu'effectivement, faut aussi peut-être, pour intéresser le grand public, ne pas créer que des endroits estampillés sciences pour parler de sciences. Peut-être que ça passe aussi par le décloisonnement. Je ne sais pas du tout si ça répond à votre question. Je m'arrête là parce que je vois qu'il y a plein de gens et que le temps passe vite. Vous avez très bien répondu, Daniel. Il ne faut pas ghettoiser la science. Voilà. Je vais prendre une question des internautes, hein, puisque vous pouvez poser vos questions sur la plateforme à partir de laquelle vous regardez cette discussion. Alors, c'est une question de Frédéric Desnoyers qui dit « On observe, comme pour certains scientifiques qui débattent sur les réseaux sociaux ou les plateaux TV, la même tendance pour certains journalistes, pas tous les journalistes, de devenir une forme de militant ou de se prétendre un peu expert, où il se défend, où il argumente. Est-ce que c'est un travers condamnable, Alain Siroux, Stéphane Foucard? Écoutez, je peux essayer de répondre parce que je suis régulièrement invité sur des plateaux où on parle de science, mais c'est un des travers, c'est un des problèmes que l'on rencontre, c'est-à-dire que en tant que journaliste spécialisé, si je puis dire, en sciences, journaliste scientifique, mais on est d'abord journaliste, on connaît très bien les formats, on connaît les codes des émissions, on sait sur un plateau de 4 personnes comment respecter la parole de l'un et de l'autre. Enfin, il y a une certaine, alors certains diront expérience, convivialité, mais peut-être aussi complicité pour que l'émission elle roule telle que l'a imaginé le producteur ou le présentateur. Depuis très longtemps, se sont installées des invitations qui font que quand on parle d'espace, on parle de climat, on parle de biodiversité, etc., on invite un tel ou un tel, et en particulier des journalistes qui connaissent bien le dossier, sont capables de le synthétiser en 2 minutes, 4 minutes, d'interagir, connaissent parfaitement les codes et assurent, alors c'est très bizarre à dire, mais assurent que le débat ne va pas vriller. Et donc les invitations sont continues et le journaliste scientifique est pris comme l'expert du sujet. Alors je pense que Stéphane connaît bien ça aujourd'hui aussi à travers la question du climat, comme un certain nombre de confrères qui ont travaillé sur le sujet pendant très longtemps. Je pense à Sylvestre ex-Libération, etc., qui sont régulièrement invités parce qu'ils sont capables justement de faire cette synthèse et de pouvoir justement avoir les points de vue sans être, je dirais, directement impliqué dans le sujet en tant que scientifique. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est extrêmement importante, c'est que nous sommes aujourd'hui, quand on a une certaine bouteille et qu'on connaît bien les médias, finalement considérés comme des experts, et même si on s'en défend, c'est vrai qu'on accepte parce qu'on dispose un peu plus de temps, parce que parler de géopolitique de l'espace, parler du fond du dossier est quelque chose qui est extrêmement intéressant et séduisant pour des journalistes scientifiques aussi. Stéphane, peut-être un commentaire sur cette question du journaliste qui devient expert, qui est présenté comme tel en tout cas? Oui, moi je pense que les journalistes ils doivent rester à leur place, hein, bien évidemment. On n'est pas des scientifiques, on ne publie pas dans la littérature savante, on n'a pas la connaissance pointue et fine que les chercheurs ont de leur domaine, en tout cas du domaine dans lequel ils produisent des données. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ce qu'on voit apparaître, c'est toute une communauté de gens qui sont scientifiques, qui se réclament scientifiques et qui donc
d'une certaine manière, prétendent parler au nom de la bonne science, et qui, exactement comme des journalistes qui peuvent avoir la tentation de le faire, s'expriment comme experts sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Ou qu'ils connaissent de loin, parce que, vous comprenez, moi je suis biologiste, donc j'ai le droit de parler des OGM, de la toxicologie environnementale, d'épidémiologie et de ce genre de choses. Et on voit sur, moi, la pratique que j'ai des réseaux sociaux se réduit de semaine en semaine, mais ce que j'ai pu y voir, c'est qu'il y a un extraordinaire dévoiement de la parole scientifique, c'est-à-dire que sous le prétexte de bonne science, de transmettre une science solide, etc., etc. En fait, on voit aussi énormément d'arguments fabriqués par des lobbies ou des firmes qui défendent leurs produits, des éléments de langage qui sont faux. Et donc, on voit tout ça fleurir sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier, frappé du tampon bonne science, dont on se rend compte, après un examen qui peut, en général, être très rapide, hein, et c'est pas très compliqué, et tout ça s'avère assez souvent soit très simplifié, soit carrément faux, quoi. Donc je pense qu'il faut, vraiment se méfier. Et ce que disait Loïc tout à l'heure sur le fait de s'associer d'une manière ou d'une autre pour un laboratoire public comme le CERN, avec des influenceurs, des vidéastes, des communicants, hein, puisque ce sont vraiment des communicants, je pense qu'il y a un revers à cette médaille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que, en tout cas sur tout ce qui a trait aux controverses sociotechniques, il n'y a pas que des laboratoires publics bien intentionnés et qui ne cherchent qu'à produire et transmettre de la connaissance scientifique. Il y a aussi des entreprises qui utilisent le vocabulaire de la science, les arguments de la science pour défendre des produits ou faire passer un certain nombre d'idées. Donc je pense qu'il faut, être extrêmement prudent vis-à-vis de ça, et je pense qu'il serait très dommageable que les journalistes scientifiques, qui sont aussi là pour enquêter sur la science, puisque la science est aussi un matériau sur lequel on peut et on doit enquêter, hein, la science, l'expertise, tout ça, c'est des choses que nous, comme journalistes, on doit aussi aller interroger. Je pense que ce serait très dommageable qu'on soit remplacé par des gens qui ne sont là que pour faire finalement de la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire de transmettre des connaissances qui parfois sont chargées d'arrière-pensée ou d'idéologie ou de politique, tout simplement. Merci beaucoup Stéphane. On va aborder ces thématiques-là justement la parole scientifique, entre autres sur les réseaux sociaux, dans un troisième temps. Mais avant, j'aimerais bien qu'on revienne dans un deuxième temps sur les thématiques qui ont déjà été, évidemment, que vous avez déjà effleurées. Entre autres, comment concilier le temps de la recherche avec celui des médias et celui des nouvelles pratiques aussi des centres de culture scientifique, hein. Je pense particulièrement aux actions en ligne que mènent aujourd'hui musées et centres de sciences. Et comment présenter, c'est toujours, je reviens à un sujet qui a été abordé lors de la première table ronde mardi, comment présenter le débat, la controverse qui est inhérente à la recherche, sans tomber, comme disait Étienne Klein, dans la mise en scène ou le clash, peut-être plus efficace au niveau de l'audimat. Autrement dit, comment aligner le discours scientifique qui tend vers la nuance et le temps médiatique qui tend un peu plus vers le binaire. Donc, Olivier, je te laisse poser la première question. Oui, alors le Twitter a été cité à l'instant. C'est, je crois, devenu le réseau social un peu de référence sur la question de la communication, du journalisme, de la vulgarisation scientifique. Loïc Bommersbach, avec votre travail à l'heure actuelle au CERN, mais précédemment aussi au CNRS, vous avez vu comment Twitter a été un tsunami, hein, dans la circulation de l'information d'ordre scientifique. Ça semble pourtant antinomique avec le temps de la science. Le temps de Twitter, c'est l'instantanéité. Le temps de la science, c'est le temps long. Est-ce que pourtant, il y a des choses à y gagner? Et puis, vous pouvez aussi évoquer peut-être les autres expérimentations en termes de réseaux sociaux qui permettent de porter la voix des chercheurs. Je crois que vous m'aviez parlé de live avec différentes plateformes. Comment ça se passe, Loïc? Oui, effectivement, je crois que Stéphane l'a souligné, il est de moins en moins présent sur Twitter, parce que c'est l'espace d'expression est tellement compliqué à avoir.
qu'on ait des choses, voilà, nous on le constate au CERN depuis quelques temps maintenant, on a énormément de trolls, de gens qui viennent avec des arguments fallacieux, voilà, contre ce qu'on fait et la science en général en fait. Donc voilà, l'espace d'expression de bienveillance en tout cas se réduit de jour en jour, j'ai l'impression. C'est un constat que je fais depuis quelques temps déjà. Moi je suis j'ai commencé comme community manager au CNRS en 2014, donc on voit cette évolution. Alors il y a des moyens effectivement de porter la parole entre guillemets des chercheurs. Ils sont présents, assez présents sur Twitter. Nous on parle à l'international. On a des chercheurs qui ont leur compte et on essaye de travailler avec eux à répondre aux messages, à porter leur voix. Donc ça peut être effectivement soit sur Twitter, soit sur Instagram aussi, hein, plateforme qui évolue sans cesse et qui essaye de copier ses petits copains. Mais tout le monde se copie. Je ne sais pas si vous avez testé les flits sur Twitter, les stories. Pas encore, c'est pas encore ça. Voilà, donc on fait des lives, on essaye de rapprocher en fait les chercheurs avec nos fans, les gens qui s'intéressent à la science, à ce qu'on fait. Donc il y a plein de moyens en fait avec les médias sociaux d'essayer de faire passer de la bonne science, j'ai envie de dire entre guillemets, auprès de nos fans et de remettre des gens en face. En fait, c'est ça qui est important, parce qu'on a ce débat, mais ça, c'est un autre débat qu'on pourra avoir ailleurs sur l'anonymat sur les médias sociaux. Là, ici, c'est des vrais chercheurs qui parlent de science, qui sont connus dans leur domaine et qui parlent directement à nos fans. Donc, voir quelqu'un en face, c'est tout de suite plus intéressant parfois qu'une institution comme le CERN, ça a plus de valeur. Voilà, c'est une vraie personne qui me parle à moi et on l'a fait récemment pour une journée sur la matière noire où les gens pouvaient poser des questions en vidéo et des chercheurs y répondaient. Donc, c'est des moyens qui fonctionnent, on a des très bons résultats et les gens sont plutôt contents en face. Voilà. Mais est-ce que vous diriez, Loïc, que les chercheurs francophones sont de plus en plus présents sur Twitter ou ça reste encore un truc d'anglo-saxon? Alors, quand même, depuis le papier de Sylvain Deville, qui est un chercheur dans le monde en 2012 ou 2014, Stéphane, je ne me souviens plus. Qui disait qu'il n'y a aucun chercheur français sur Twitter, enfin pas beaucoup, comparé aux anglo-saxons. Ça a bien évolué, il y a énormément de chercheurs français qui sont sur cette plateforme, mais aussi certains se désengagent de la plateforme, vont se mettre en compte privé pour éviter d'être importunés, merci, par des gens. Il y a des fonctions aussi de réponse, on peut éviter que les gens répondent à ce qu'on dit sur Twitter, donc là où est le débat. Donc c'est assez intéressant, il y a des moyens aussi de limiter un peu ces trolls. Mais je dirais qu'il y a eu une augmentation très forte depuis quelques années de la présence des chercheurs français sur Twitter en particulier. Mais je sens qu'on est en train d'avoir une petite stagnation, voire une baisse du nombre de ces comptes, parce qu'on voit qu'on ne peut plus s'exprimer, en fait, on est tout de suite attaqué, voilà. Importuné, comme vous disiez, sur cette plateforme. Je ne sais pas si c'est un constat que vous faites, celles et ceux qui utilisent Twitter, dès qu'on parle d'un sujet autre qu'à une photo de chaton. Voilà. On va peut-être poser la question à Pascal Crépet, justement, sur la position des scientifiques français par rapport aux réseaux sociaux. Et peut-être avant aussi, si vous pouvez nous dire un mot sur comment justement dans des médias très, voilà, de l'immédiateté, comment éviter lorsqu'il devient médiatique que le débat génère du scepticisme envers la science et la communauté scientifique. Alors bon, déjà sur les réseaux sociaux, je pense qu'il faut je pense qu'effectivement il n'y a peut-être pas suffisamment de chercheurs dessus, mais je pense qu'il faut bien leur donner le rôle qu'ils ont, c'est-à-dire que ça permet typiquement aux chercheurs d'être en contact avec la population, et puis plutôt à la population d'être potentiellement en contact direct avec ces chercheurs, et éventuellement d'initier des échanges, et pour être moi-même sur Twitter et pour suivre certains de mes collègues qui sont dessus, il y a très souvent des échanges assez construits et assez intéressants qui peuvent arriver, et évidemment comme partout, bon, bah, il y a la
Il y a voilà, des trolls, il y a des réseaux plus conspirationnistes, des comptes plus ou moins zombies, plus ou moins vrais, qui viennent un peu polluer les discussions, mais ça, je pense qu'on ne peut pas l'éviter, et je pense que c'est pas forcément une raison d'abandonner. Et d'abandonner le champ de bataille entre guillemets et d'abandonner les réseaux sociaux. Je pense que au contraire, et ça a été assez bien montré, tout ce qui est réseau un peu anti-science, un peu conspirationniste, etc., sont des réseaux qui sont très actifs et beaucoup plus actifs et réactifs que justement les réseaux de scientifiques. Si on pense par exemple à la vaccination et à tous les mouvements anti-vaccination, le jeu ne se fait pas à armes égales, parce que les gens qui peuvent promouvoir la vaccination, en tout cas les stratégies vaccinales et porter les messages de santé publique, sont aussi ceux qui ont parfois le plus de travail à faire et n'ont pas forcément le temps de le faire, alors que les mouvements anti-vaccination, voire les mouvements complotistes, eux sont très actifs et beaucoup plus actifs. Et donc y a un petit déséquilibre là-dessus qu'il n'est pas simple de corriger. Ensuite, sur votre question concernant le débat scientifique et comment faire en sorte que ce débat scientifique ne devienne pas un débat d'opinion, si je réinterprète un peu ce que, ou en tout cas ne vienne pas décrédibiliser la science. Je pense que ça passe par plusieurs moyens. Le premier moyen, qui est peut-être le plus illusoire, en tout cas le plus sur le long terme, c'est l'éducation simplement de la population. Parce que c'est par l'éducation de la population que l'on pourra faire comprendre que le débat scientifique, il est sain et il est normal et il fait partie de la construction du savoir. Et c'est par l'éducation que les gens pourront identifier ce qui est de l'ordre de l'hypothèse scientifique, de ce qui est de l'ordre du fait scientifique, de l'hypothèse qui a été confirmée par les données et qui devient solide et sur laquelle on peut donc se baser. Et c'est souvent un peu ça qui a manqué et qui a posé problème au cours de la crise récente. C'est ce décalage un peu entre débat scientifique qui devenait débat d'opinion et où la limite et la différenciation entre ce qui était de l'ordre de l'hypothèse et ce qui est de l'ordre de l'opinion devenait plus si clair que ça. On juge un débat scientifique avec la grille de lecture d'un débat politique ou d'une grille de lecture politique, par exemple, on se trompe totalement. Et notamment, il est bien évidemment très mal vu, par exemple, pour un politique, de changer d'avis, de penser à un moment une chose et puis, 3 mois plus tard, de penser autre chose. Alors qu'en science, c'est plutôt normal et plutôt sain, en fait, d'émettre des hypothèses, et puis lorsque les données arrivent et lorsqu'on confronte l'hypothèse aux données, de réfuter l'hypothèse et de partir sur une autre direction. Et si on ne fait pas ça, on ne respecte pas la science et on ne respecte pas le processus scientifique. Or, ça peut être perçu par le public comme quelque chose, comme un manque de crédibilité, d'authenticité, comme un chercheur qui change son fusil d'épaule, qui retourne sa veste, alors que ça ne marche pas comme ça. Et donc ça passe, je pense, par justement une meilleure communication et une meilleure éducation à la parole scientifique et à ce que c'est que le processus scientifique. Alors, la meilleure éducation à l'usage des réseaux sociaux et de Twitter, Marion Sabourdi, chargée des nouveaux médias à la Casemate, ça passe aussi par une bonne pratique de ces réseaux sociaux, savoir jusqu'à quel point il faut y aller. Est-ce que c'est la question de l'engagement, finalement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Oui, exactement. Alors, il y a des notions de formation. Hein. Je pense que nous, acteurs CST, les chercheurs également, les journalistes, on se forme à ces outils. Mais au-delà de savoir faire un tweet, poster une photo, il faut aussi être présent dessus. Il faut régulièrement poster, comprendre un petit peu ce qui s'y passe. Et c'est là tout le paradoxe, c'est un peu tout ce qu'on vient d'échanger, c'est que tout à l'heure, vous parliez de la différence de rythme, notamment entre la recherche et le journalisme, mais il y a aussi cette différence entre le collectif, le travail collectif de la science, et puis ces réseaux où, en général, le message passe mieux quand c'est plutôt une personne, enfin, passe mieux, en tout cas, et ça fonctionne mieux comme ça sur les réseaux. Je ne sais pas si c'est une question d'algorithme, si c'est le côté proximité qu'on peut avoir avec une personne qui incarne quelque chose, mais le fait est que, à part les très grands comptes, peut-être le CERN justement, peut-être le CNRS, quelques très grands comptes très suivis, sinon nos institutions plus modestes, en fait, on se rend compte que ce sont plutôt les salariés qui ont des comptes qui peuvent être très suivis, qui s'engagent, certains médiateurs, certaines personnes qui finalement petit à petit se mettent à représenter leur propre institution via leur compte perso. Et c'est un paradoxe et c'est là le danger aussi, parce que ces personnes, alors elles peuvent se mettre en avant de manière totalement innocente, entre guillemets, enfin positive, et ont envie de parler de science, et parfois peuvent se faire harceler. C'est ce qui se passe aussi vis-à-vis de pas mal de vidéastes, pas mal de vidéastes femmes aussi d'ailleurs, pour d'autres raisons encore. Et puis il y en a d'autres, ce que disait Stéphane Foucard, qui peuvent se mettre en avant pour des questions plus personnelles, d'intérêt, et arriver à des dérives. Et aussi donc, la trollisation, comme dit Loïc, du débat. Et donc au début, en tout cas quand j'ai commencé à la Casemate, moi j'étais beaucoup dans de la formation, dans du positif, on prend en main ses outils, on y va, on s'engage, et puis on se rend compte maintenant que même en étant de toute bonne foi, en s'engageant, en étant bien formé, il peut y avoir ces problèmes-là. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais on est dans un moment un peu mouvant et un peu problématique, et ceux qui s'engageaient positivement se retrouvent parfois un peu bloqués. Alors je ne sais pas, il n'y a pas vraiment de solution pour l'instant. Est-ce que c'est engager encore plus les personnes en interne, dans les institutions qui prennent plus la parole, ou au contraire, est-ce que les institutions doivent reprendre elles-mêmes une parole forte et s'engager dans les débats directement, et ne plus être que dans de la diffusion de résultats scientifiques, mais vraiment s'engager fortement là-dedans. Je crois que c'est Étienne Klein qui a dit récemment, là, pendant la crise, qu'il faudrait que les gens modérés s'engagent passionnément, pour qu'on n'ait pas que des débats très polarisés entre les pour les contre, mais que les personnes qui ont une pensée un peu plus complexe, un peu plus... qui peuvent faire intervenir plus de monde, plus de notions, puissent s'engager aussi et ne restent pas... à regarder ce qui se passe sur ces réseaux d'un peu loin, par peur d'être pris dans cette nasse, quoi. Merci beaucoup, Marion. On va demander à Siama de rebondir sur ce sujet-là, que ce soit sur, évidemment, les réseaux sociaux, mais de manière générale, à savoir pour lutter contre le déni de science, climato-scepticisme, COVID-scepticisme, anti-vaccin, etc. Vous définiriez le rôle de chacun comment ? Le rôle et, je dirais, peut-être les devoirs, que ce soit justement, comme disait Marion, les acteurs de la culture scientifique et technique qui ont un rôle à jouer, évidemment, les journalistes, les scientifiques. Voilà, si vous pouviez nous dire quelques mots là-dessus. Alors, pour rester sur la question des réseaux aussi, je dois dire que la question d'abandonner les réseaux, il n'y a pas un seul journaliste qui ne s'est pas posé... S'il fait bien son travail, parce que on dit souvent que de la discussion jaillit la lumière, mais de la discussion sur Twitter, souvent c'est plutôt l'obscurité qui jaillit, parce que les discussions dont jaillit la lumière, c'est des discussions un peu cadrées et qui respectent certaines règles. Et ce qu'on voit tous là, c'est que on est sur un terrain sans règles et où finalement il y a des armées de gens qui sont animés soit par des intérêts privés, soit par des intérêts idéologiques forts, mais qui en tout cas font que justement les journalistes qui sont censés avoir une parole indépendante et des intérêts privés et des idéologies sont inaudibles à moins de s'y installer à plein temps,
de répondre à chaque attaque, chose qui très rapidement, comme Alain Sirou l'a rappelé, on est peu nombreux, de moins en moins nombreux, et on a de plus en plus de choses à faire. Et la question de est-ce que nous, on peut aller faire le ménage sur les réseaux sociaux, je crois que s'il y a au moins une chose qui est claire, c'est que ce n'est pas les journalistes qui peuvent le faire. Je ne sais pas qui doit le faire. Je pense qu'il faudrait que quelqu'un le fasse, en fait. C'est-à-dire que quand vous voyez que certaines entreprises comme Monsanto, que Stéphane Foucard connaît bien, ont pour politique de ne laisser aucune attaque sans réponse, je pense qu'il faudrait que, du point de vue des gens qui cherchent à faire émerger la vérité et l'exactitude, il faudrait faire pareil, il faudrait laisser aucune attaque sans réponse. Mais qui peut faire ça dans le contexte aujourd'hui? Je pense que c'est une question qu'il faut vraiment se poser. Et hélas, je pense que ça, ce n'est pas le rôle des journalistes. Le rôle des journalistes, c'est de sortir l'information. On n'est pas nombreux à sortir l'information et il y en a de plus en plus à sortir. Donc, je crois que la bataille pour la vérité sur les réseaux, il ne faut pas qu'on se perde là-dedans, nous en tout cas. Daniel, quand on est dans une pratique quotidienne du journalisme scientifique, alors ce n'est pas le cas du temps d'un bivouac qui est une hebdo, mais enfin, vous avez déjà travaillé sur des quotidiennes, et quand on doit monter un sommaire, un plateau avec des scientifiques, quand dans une période de crise comme celle-là, on est vraiment confronté à cette dichotomie entre le temps des médias et le temps de la science. Oui, oui, oui. Effectivement, vous faites bien de faire la différence parce que à la radio, bon, pour ceux qui écoutent, c'est un peu un flux continu, mais il y a quand même la rédaction avec les journalistes qui traitent l'information au quotidien, qui doivent rebondir assez rapidement. Et puis, il y a les émissions de programmes, dont moi, je fais partie, qui souvent, on va traiter d'une exposition, d'un bouquin qui vient de sortir, mais on est moins dans le feu de l'actualité. Mais je vois là à quoi vous faites allusion dans votre question. Effectivement, pendant la période du premier confinement, j'animais une émission alors qui était plutôt une émission d'accompagnement, donc quotidienne. Enfin, je l'animais par intermittence, mais quotidiennement quand je l'animais, qui s'appelait Grand Bien Vous Fasse, qui n'était pas une émission scientifique, mais dans laquelle, des fois, puisqu'on était censé accompagner, c'était de 9h à 11h, et on était censé accompagner les internautes, un peu, enfin les auditeurs, pardon, je suis encore sur la précédente édition, les auditeurs, dans leur confinement et leur apporter les informations. Et effectivement, j'ai été des fois confronté à ce problème-là très précis. Je me souviens d'un exemple où on venait d'annoncer que les élèves allaient retourner prochainement en classe. Et le lendemain, c'était un mercredi, on devait, souvent dans l'émission, c'était les discussions en lien avec les enfants. Donc, on s'est dit, on ne peut pas, ce jour-là, ne pas parler de ce retour à l'école, ce qu'en pensent notamment les épidémiologistes ou les scientifiques. Et c'est vrai qu'on a été confrontés, enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est-à-dire que je me revois la veille jusqu'à minuit à essayer d'avoir des interlocuteurs pour pouvoir intervenir sur ce thème à l'antenne le lendemain matin à 9h. Et finalement, les gens les plus pertinents sur la question n'étaient pas disponibles, soit parce qu'ils faisaient partie du conseil scientifique, et justement, à cette heure-ci, il y avait un conseil scientifique, soit parce qu'ils trouvaient que c'était beaucoup trop tôt pour réagir et avoir un avis scientifique concis et clair sur le risque de mettre 30 élèves dans une classe dans les conditions actuelles. C'était vraiment au moment du premier confinement, on savait encore peu de choses. Et j'avais comme ça une liste de scientifiques pertinents sur la question, et puis après, j'avais en bout de course des scientifiques qui s'était exprimé, mais de façon beaucoup plus militante, justement, sur le sujet, qui n'était pas forcément compétent. Et voilà, dans ce genre de cas-là, on est confronté clairement à qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne la parole à des gens qu'on estime moins compétents pour répondre? Est-ce qu'on fait la chaise vide? Bon, là, en l'occurrence, sur cet exemple-là, finalement, on avait fait une émission où on donnait plus la parole à des représentants de parents d'élèves ou à des représentants de profs, enfin d'enseignants, qui disaient comment eux, ils envisageaient ce retour à l'école. Et je trouvais, même si finalement on ne l'a pas eu, mais je trouvais que ça manquait dans le débat, parce qu'il y avait aussi des auditeurs qui appelaient, la parole d'un épidémiologiste. Mais ça répond un peu à votre question sur entre l'urgence parfois d'apporter une réponse, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, tout le monde se la pose du côté du grand public, est-ce que c'est dangereux ou pas de retourner à l'école en masse, et d'avoir les bons interlocuteurs scientifiques pour répondre. Voilà, c'est un cas de figure, je n'ai pas de réponse à vous dire, mais c'est pour vous donner, parfois quand on est scientifique, quand on est journaliste, on est...
Et je comprends tout à fait la position des scientifiques, hein, qui n'ont pas forcément envie de se griller en étant le scientifique qui a la parole, la vérité sur le sujet. Mais du coup, des fois, on est bien embêté face à ce genre de dilemme. Merci beaucoup. On va peut-être demander à Pascal Crépé de réagir. J'avais pas votre numéro, Pascal, ce jour-là, mais je ne sais pas si vous auriez accepté de répondre comme ça dans l'urgence. Daniel, et puis aussi, il y a une question de la salle qui est fort intéressante de Raphaël, hein, de Gênes, sur l'interaction entre journalistes et chercheurs, et notamment les questions posées par les journalistes. Peut-elle influencer la façon dont les chercheurs interprètent les résultats de leur propre travail ? Vaste question. Donc peut-être, Pascal, une réaction d'abord au propos de Daniel Kevel, puis ensuite... Juste une réaction rapide. Il est clair que de toute façon, un scientifique qui pense détient la vérité est forcément un scientifique un peu douteux. Donc c'est déjà un filtre qu'il est bon d'avoir et donc se méfier de toute façon des scientifiques qui pensent détenir la vérité et je pense que qu'effectivement il y a eu des problèmes et peut-être une tentation de la part de journalistes ou de rédaction de vouloir absolument une réaction d'un scientifique, quitte à justement avoir recours à des personnes qui n'étaient pas forcément qualifiées et qu'il est toujours difficile de juger les qualifications nécessaires ou requises pour pouvoir s'exprimer, hein, mais bon, dans les faits, il y a quand même eu des problèmes à ce niveau-là, et je pense que c'est de toute. Enfin, je ne sais pas s'il y a de bonnes solutions, si on trouvera une solution à cette problématique, au-delà de du filtre à avoir en amont. Et sur la question que vous me posez donc vis-à-vis de l'influence des demandes des journalistes, des questions des journalistes sur l'interprétation des résultats, c'est difficile de faire une réponse simple et unique. Je pense que ce qui est intéressant pour les scientifiques, c'est de s'appuyer aussi sur les questions que se posent les journalistes, dans le sens où ces questions sont souvent une synthèse des questions que se pose la société. Et pour avoir beaucoup échangé avec des journalistes tout au long de cette crise, je sais qu'il y a plusieurs fois où certaines questions qui m'étaient posées n'étaient pas des questions que moi et mes collègues nous posions. Soit parce que ça nous paraissait évident ou trivial, soit parce qu'on ne voyait pas les choses sous cet angle-là. Et c'est vrai qu'il y a certains travaux, certaines analyses qu'on a pu faire qui ont été... qu'on n'aurait pas forcément fait de cette façon-là si on n'avait pas eu justement cette vision entre guillemets, cette synthèse un peu des questionnements de la société, mais donc qui passait par le prisme journalistique. Ça n'a pas changé l'interprétation de nos résultats, mais ça a peut-être changé un peu l'orientation de certaines recherches, et notamment vis-à-vis de l'impact des confinements et des choses comme ça qui visiblement, enfin typiquement pour être clair sur le travail dont je parle, on a publié en avril, on a communiqué en avril des résultats sur l'impact d'un mois de confinement, du premier mois de confinement, un travail qui a été pas mal repris par la presse, mais qui était un travail relativement simple et relativement trivial parce que ça consistait juste à faire dérouler l'épidémie comme s'il ne s'était rien passé et comparer à ce qui s'était réellement passé sur ce mois-là. Et donc, n'importe quel modélisateur et les autres groupes de modélisateurs auraient très bien pu faire ce travail. On en avait discuté ensemble et on obtenait à peu près les mêmes résultats.
Et donc, on n'avait pas pensé à communiquer sur ces résultats parce que pour nous, ce qui nous intéressait, c'était de mesurer l'impact du confinement et de voir comment la dynamique risquait de continuer pour le futur, pas pour le passé. Et c'est en fait, en échangeant avec des journalistes, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande sur qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu ce confinement, quel était le déroulé, etc. Qui était pour nous une question un peu du passé, puisqu'on était déjà dans la projection du futur. Et donc on a produit ce résultat, mais sans penser que ça aurait un tel retentissement au final, parce que bon voilà, ça n'enseignait pas pour nous pour l'avenir, et alors qu'en fait on se trompait parce que ça permettait aussi de réaliser à quel point les sacrifices qui étaient demandés aux Français avaient des bénéfices et avaient un impact sanitaire qu'il aurait été difficile de mesurer et qui est toujours difficile de mesurer dans les cadres de mesures de prévention. Quand une mesure de prévention fonctionne, il ne se passe rien et donc on se demande si elle a été utile. C'est le propre des mesures de prévention. On est toujours perdant quand les mesures de prévention ont du succès parce que forcément le résultat est quelque chose qui n'est pas là quoi. Donc c'est une vraie problématique et c'est vrai que ce travail-là permettait de répondre à cette problématique. Merci Pascal. On va passer à la dernière partie de notre discussion. Le troisième thème qu'on va essayer d'aborder maintenant, c'est la problématique suivante. Comment faire en sorte que nos messages puissent accéder à un public le plus large possible. Dans son intervention, là, à l'instant, Pascal Crépé a parlé des conséquences heureuses, finalement, qui ont pu survenir quand les scientifiques et les journalistes avaient engagé un dialogue ensemble. Marion Sabourdi de la Casemate, vous connaissez bien l'univers des médiatrices, des médiateurs. Est-ce que, au niveau de leur interaction avec les journalistes, est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer? Alors oui, clairement améliorer, parce que là, actuellement, il n'y a quasiment pas de lien direct entre les journalistes, les journalistes scientifiques d'une part et les acteurs de culture scientifique, enfin autre que des liens personnels éventuellement. Des fois, on a des journalistes qui viennent animer des conférences, qui viennent faire ce genre de prestations, ce genre de choses dans nos lieux, mais je pense qu'il y a quelque chose à réinventer, en particulier avec la presse régionale, presse locale, qui en général a rarement des journalistes scientifiques en son sein. Donc peut-être dans nos lieux qui sont habitués à un public, enfin à travailler avec un public local, je pense que nos lieux peuvent devenir aussi des lieux d'accueil et de lien entre les journalistes, les chercheurs et le public. Peut-être qu'on soit plus uniquement des lieux d'accueil du public pour présenter des choses sympas, attractives, voilà tout ce qu'on veut, mais aussi des lieux où on vient peut-être travailler collectivement à tout ce qu'on vient d'évoquer, à travailler. Alors, c'est pas ici, c'est pas dans nos lieux qu'on fera par exemple des enquêtes journalistiques, mais en tout cas c'est peut-être dans nos lieux qu'on peut se rencontrer, discuter de la méthode scientifique avec le public, faire cette éducation aux médias aussi. Donc il y a divers lieux qui font ça, il y a des maisons de l'image par exemple qui font ça, mais peut-être que recentrer ça dans les centres de sciences, dans les musées de sciences, permettrait finalement aux journalistes peut-être d'avoir un peu plus le contact avec ce public, pouvoir parler aussi de leur métier, de leurs contraintes. Les chercheurs, on a un peu plus l'habitude de les faire venir chez nous, donc ça leur fait en général toujours plaisir d'avoir ce contact avec le public, et surtout de pouvoir travailler ce lien direct, hein, ces débats avec le public, ce travail science-société. Donc peut-être que je fais une petite parenthèse parce qu'on parle beaucoup là de la controverse sur les Science Media Center, ces lieux qui seraient conçus, créés pour apporter de manière un peu toute cuite une information scientifique. Oui, ça fait partie de la loi de programmation de la recherche. Voilà, cette idée-là, pour prendre peut-être le contre-pied de cette idée, de ce projet, moi, le rêve ou l'envie que j'aurais, c'est plutôt que nos lieux
qui sont des lieux plutôt de débat, deviennent des lieux de rencontre avec, avec des journalistes qui viendraient, mais qui auraient toute latitude pour rencontrer des chercheurs, discuter avec eux, et puis voilà, faire leur travail, et pas qu'on leur prémâche, hein, c'est pas l'idée, mais plutôt que, voilà, qu'on puisse bosser ensemble, parce que tout à l'heure, Yves disait que c'est pas le travail des journalistes de venir sur le champ de bataille et de dire à tout le monde qu'il a tort sur Internet, et je suis bien d'accord avec ça, mais on se doit, je pense, tous, en tant qu'acteurs de science, de culture scientifique, d'être quand même présents, de rester présents, et donc peut-être de travailler plus ensemble. Et là, bon, j'aurais peut-être pas le temps de développer, peut-être qu'on en discutera à d'autres moments, mais il y a aussi tout le pan des sciences participatives qui peut être un début de solution aussi pour impliquer le public. Mais bon, je vais laisser parler aussi les autres. Bah, peut-être que pour réagir à ces propos, on peut demander son avis à Stéphane Foucard, hein, qui avait réagi dans la presse sur cette proposition d'intégrer la loi LPPR. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de sciences participatives, mais peut-être je laisse Stéphane réagir. Oui, peut-être en deux mots pour ceux qui suivent et qui n'ont pas toute l'histoire en tête, rappeler un petit peu ce que c'est ces Science Media Center. Donc c'est des institutions qu'on pourrait définir comme parapubliques, ou je ne sais pas trop comment les qualifier. La première d'entre elles a été créée au début des années 2000 à Londres, en 2002 plus précisément, et c'est une organisation qui fonctionne à fond, sur fond principalement privé. Il y a plus de 50% du budget de ce centre, de ce SMC, qui provient soit de l'industrie, soit d'organisations philanthropiques diverses et variées, et pour une part, environ 45%, en tout cas c'était le cas l'an dernier, qui provient d'institutions publiques, de centres de recherche, d'universités ou d'agences gouvernementales. Alors que fait ce Science Media Center? Eh bien, il identifie un certain nombre d'études clés, des études qui vont pouvoir faire le buzz ou qui sont susceptibles d'être reprises dans la presse parce qu'elles sont intéressantes ou parce qu'elles sont susceptibles de provoquer des questionnements à l'interface entre la science et la société, des choses qui intéressent le public, ça peut être des choses sur le climat, de la toxicologie, ce genre de choses. Donc ce SMC va faire cette sélection et va proposer aux journalistes, clés en main, des espèces de réactions, des commentaires de scientifiques adressés à ces études. Donc une sorte de deuxième couche un peu vulgarisée de peer review, hein, si on peut dire. Et les journalistes qui souhaitent traiter ces sujets peuvent aller piocher dans ces réactions toutes faites, ces citations, peuvent aller piocher de quoi nourrir leurs articles. Alors, sur le papier, ben, on se dit c'est pas mal parce que ça permet justement d'introduire de la nuance, du contexte, face à des études qui, isolées, ne veulent pas forcément dire grand-chose et qui pourraient être couvertes de manière trompeuse ou un petit peu tordue par des journalistes qui ne connaissent pas bien le sujet. Donc, a priori, on peut se dire, bon, bah, finalement, c'est pas mal. Et je suis convaincu, à titre personnel, que dans certaines situations, c'est pas mal. Mais le problème, le revers à cette médaille, c'est que, bah, on ne sait pas, au SMC, qui et pourquoi sélectionne telle et telle étude à mettre en avant comme ça, à épingler sur l'agenda de la presse britannique. Pourquoi telle étude plutôt que telle autre? Et pourquoi, par exemple, telle étude ne serait pas sélectionnée pour être commentée? La nature et l'identité des gens, des scientifiques qui vont commenter aussi ces travaux, ben on ne sait pas sur la foi de quels critères ils sont choisis et sélectionnés pour apporter un commentaire critique ou un éclairage sur ces travaux. Alors, par exemple, moi, c'est quelque chose que j'avais remarqué qui m'avait beaucoup amusé. Quand l'IPBES, le fameux GIEC de la biodiversité, a rendu son dernier rapport, il y avait un long commentaire, il doit être toujours en ligne d'ailleurs, sur le SMC, d'un scientifique qui est un entomologiste à la retraite, qui n'a pas du tout de compétences particulières sur la biodiversité, qui est un climato-sceptique notoire, et qui critiquait de manière extrêmement virulente ce rapport qui, bon, quoi qu'on en pense, est quand même un rapport de consensus voilà, qui a été établi par des dizaines et des dizaines de chercheurs, qui a été revu, qui est passé par tout un tas de phases de validation et de rédaction.
Et donc, pourquoi est-ce que cet entomologiste médical climato-sceptique, sans aucune compétence sur la biodiversité, s'est-il retrouvé à avoir le droit, en quelque sorte, de commenter ce rapport sur le site du SMC et voir potentiellement son commentaire être repris, réutilisé, cité entre guillemets par des journalistes. Donc il y a comme ça un certain nombre de questions qui se posent. Et au-delà de cet exemple particulier, je pense que je me demande d'ailleurs ce qu'en pense Yves. Je pense que c'est aussi un profond dévoiement de ce que doit être un journaliste scientifique. Un journaliste scientifique, en théorie, quand il cite un chercheur, c'est qu'il est allé recueillir lui-même ce propos, soit au terme d'un interrogatoire, d'une interview où on échange avec un chercheur, on lui pose des questions peut-être qu'il n'a pas envie qu'on lui pose, donc soit au terme de cet entretien, soit parce qu'il a un carnet d'adresses, il connaît des scientifiques en qui il a confiance et à qui il va pouvoir poser des questions parce qu'il sait qu'ils sont spécialistes de tel et tel sujet et qu'il a confiance dans ce qu'ils vont dire. Dernière chose, les conflits d'intérêts dans ce système ne sont pas toujours déclarés, ce qui aussi pose une autre question sur la transparence et, disons, la fiabilité ou la loyauté de l'information qui est ainsi fournie aux journalistes. Alors Yves va pouvoir réagir à ce qu'a dit Stéphane Foucard, mais avant je voulais poser une petite question à Alain Siroux, parce que ce lieu-là qu'on est en train de décrire, qui serait une sorte de base de données, de réactions toutes prêtes, ça m'évoque d'une certaine façon les services de communication des différentes entités auxquelles nous, journalistes, on a affaire régulièrement. Et ces services de com, dont le propos normalement est de faciliter le contact avec tel ou tel chercheur, on se rend compte que c'est parfois, souvent, je ne sais pas, une façon de lisser l'information. C'est une façon de lisser l'information, c'est vrai. C'est une façon de répondre à la vitesse de la lumière. Moi, ce qui m'a toujours frappé là-dedans, dans les discussions qu'on a depuis une heure, c'est la dictature de l'immédiat, c'est-à-dire toujours devoir répondre au présent, être obnubilé pratiquement à la vitesse de la lumière par la dernière information qui fait qu'on doit réagir en continu. Et c'est vrai que, pour le compte, la tendance à fabriquer des contenus qui soient massivement mis sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes numériques, parce qu'elles comportent un très beau titre, une image qui a été validée par les services de communication à l'avance, etc., fait que tout d'un coup, on a un effet massif d'information pré-mâché qui est distribué gratuitement. Donc, on a de grandes difficultés aujourd'hui à travailler quand on est dans un domaine qui est confronté au quotidien. Alors moi, j'ai la chance de travailler sur un média qui est une revue bimestrielle. Alors, vous pensez bien qu'on réfléchit avec 4 mois, 6 mois, 1 an d'avance, c'est vraiment un luxe extraordinaire. Mais ce n'est pas ça, c'est pas là-dessus qu'on est interrogé. On est interrogé sur ce que vient de découvrir le télescope spatial Hubble et qui paraît dans Nature. On n'a pas accès, je dirais, à la publication, on n'a pas le droit d'en parler avant, où on est interrogé parce que Elon Musk a dit que dans 2 ans, 2 millions de personnes débarqueront sur Mars, et que ça, c'est génial, c'est vraiment formidable, parce que la science, ça fait rêver, donc il faut réagir tout de suite, et là, vous n'avez pas le droit de mettre de bémol, parce que si vous mettez un bémol, Daniel le sait bien pour les radios, ça veut dire que vous cassez la fin de journal. Il y a un pied de fin de journal qui est obligatoire, il faut que ce soit positif. On a annoncé vraiment le Covid de plus en plus catastrophique, après il y a le chômage, donc il faut terminer par la science, parce que la science, elle a un atout, c'est qu'elle fait rêver. Alors c'est évidemment le grand danger du traitement de l'info, c'est que on arrive nous en tant que journaliste scientifique en disant oui, mais ça s'appelle de la propagande. C'est-à-dire que là, on nous vend du rêve, la réalité, c'est pas ça. Non, non, mais on ne peut pas accepter ça. Donc, vous comprenez bien que, pour revenir au sujet d'ensemble et général, c'est-à-dire qu'il y a une complicité globale et des institutions et d'un certain nombre de scientifiques qui ont intérêt à vendre une publication ou une découverte, et puis, je dirais, des institutions, à ce qu'on parle le plus possible de façon positive, favorable de leurs activités, et qu'on n'a plus ces lieux de débat
dont parlait Marion tout à l'heure, qui sont des endroits où finalement, ce n'est pas des plateaux de télévision où il va y avoir finalement des arguments d'autorité, où la personne est nécessairement connue. On va avoir besoin d'endroits où on explique comment on travaille et pas seulement sur toujours les mêmes sujets. On va avoir besoin aussi d'échanges avec le public et de pratiques. Donc, vous parliez de sciences participatives, c'est extrêmement important. Et puis, d'éducation aux médias, parce que comment ça fonctionne, comment ça marche. J'ai un peu plombé au départ la discussion en expliquant que les médias étaient très en danger et que le système dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui permet à des journalistes scientifiques de continuer à travailler est extrêmement dépendant finalement des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs. Ce sont ceux qui achètent notre travail. Nous ne sommes pas des bénévoles, nous sommes des gens qui vivons de notre activité et on essaie de faire le mieux possible, mais je dirais que notre système aujourd'hui est en cours de mutation de façon extrêmement importante et que tout cela, eh bien, modifie et interagit avec la façon de traiter les sujets, parce que aujourd'hui, quelle rédaction peut payer pendant un an ou deux ans un travail d'un journaliste scientifique à faire une enquête de fond qui pourrait sortir et qui ne serait pas reprise, simplement parce qu'elle n'est pas suffisamment sexy en quelque sorte, ou en tout cas suffisamment, elle ne fait pas rêver parce qu'elle dénonce une situation ou quelque chose qui ne va pas nécessairement intéresser un grand média. Le temps tourne, il est déjà 12h30, on va quand même laisser Isiama répondre à la fois à propos de Stéphane Foucard et d'Alain Sirou hein, sur ce prêt à consommer la science, cette immédiateté et puis ce besoin d'éducation aussi aux médias, on va dire. Je ne sais pas si éducation est le bon terme, en tant que président de l'association des journalistes scientifiques, que pouvez-vous faire pour cela également? Alors, je voudrais dire un mot sur l'éducation aux médias, parce que il y a l'éducation aux médias, c'est quelque chose de connu et un petit peu pratiqué par l'éducation nationale. Je pense quand même que la place principale de l'éducation aux médias, ça devrait être dans l'éducation nationale, parce que ça fait vraiment partie de la structuration du citoyen. Et bon, c'est très bien que ça se fasse dans des lieux de science, mais je pense qu'il faut une éducation scientifique aux médias maintenant, parce qu'on voit tout un tas d'informations se présenter comme scientifiques et tout un tas d'interlocuteurs se présenter comme scientifiques de manière totalement abusive. Et je suis d'accord avec Stéphane sur le fait que vous avez des gens sous prétexte qu'ils ont un doctorat qui s'érigent en experts de quelque chose qui n'a rien à voir avec le doctorat qu'ils ont eu et leur carrière. Et ça, ça pollue vraiment le débat public. Donc, je pense qu'il faut non seulement de l'éducation aux médias, mais de l'éducation scientifique aux médias. Après, sur l'interface scientifique-publique, sur la multiplication des fake news, enfin de toute cette pollution de l'information, je pense quand même que, enfin, il y a plein de réponses et dans beaucoup de domaines différents, mais je pense qu'en face de ces fluctuations et de toute cette immédiateté des réseaux sociaux, qu'on arrive à construire un journalisme non suspect de collusion, qui soit indépendant et critique, qui soit une espèce de pôle de stabilité et de qualité auquel les gens peuvent se référer parce qu'il y a la confiance, parce qu'il y a un travail qui a été bien fait et qui est réputé tel, je pense que c'est vraiment une partie de la solution. Et ça, ça suppose effectivement une presse un peu prospère économiquement, un peu bien dotée, un peu bien diffusée et de bonne qualité. Je ne sais pas quel business model peut conduire à cela. C'est sûr qu'actuellement, ceux qui sont proposés ne fonctionnent que très mal, mais il faut réinventer ça et il ne faut pas pas capituler là-dessus au motif que ce serait un modèle du passé, du siècle dernier, etc. Si l'exactitude, la vérité et le bon travail, c'est un modèle du passé, alors ça augure très mal de l'avenir. Loïc Bommersbach, sur la problématique d'élargir le public via le numérique, vous avez pu mener différentes expérimentations avec des réseaux sociaux dont on voit que pour certains d'entre eux, ils sont particulièrement appréciés des jeunes. Vous avez par exemple mis les mains dans Snapchat, ce qui n'est pas donné à tout le monde, parce que moi j'ai essayé, j'ai rien compris. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette expérience? Oui, alors je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, Olivier,
sur toucher le plus large public possible. La stratégie actuellement, c'est plutôt toucher le public le plus adapté, enfin on pense qu'il est plus adapté au contenu qu'on veut diffuser. Donc en s'adaptant en fait la ligne éditoriale sur chacune des plateformes. On ne dit pas la même chose sur LinkedIn que sur Facebook ou Twitter ou Instagram. Donc voilà, on essaye d'avoir cette stratégie-là. Sur Snapchat, donc c'est assez intéressant. Snapchat, c'est assez fermé comme réseau. Je sais que Le Monde a une équipe dédiée de... À l'époque, c'était 8 personnes qui écrivaient des contenus pour Snapchat. Donc voilà, c'est assez intéressant. Non, au CNRS, auparavant, on a eu une expérience assez intéressante. Avant, c'était vraiment le chat pour les... c'est le WhatsApp, en fait, hein, des plus jeunes, où ils peuvent créer des stories. On peut faire des stories hein, sur WhatsApp. Mais sur Snap, c'était un moyen de communiquer avec des jeunes. On était dans un événement sur 3 jours. Un événement qui n'existe plus au CNRS, qui s'appelle les Rencontres Sciences et Citoyens à Poitiers. Peut-être que certains d'entre vous y ont participé il y a quelques années. Et on avait 150 à 200 jeunes pendant 3 jours. Et ça nous a permis, ce réseau social, de communiquer avec eux. Parce qu'ils sont sur leur téléphone. On ne va pas leur envoyer un texto. On ne va pas leur envoyer un mail. On leur a envoyé des snaps. Et donc, ils étaient connectés avec nous. On leur disait, bah voilà, il y a une prochaine conférence qui va attaquer. Donc cette rencontre-là, c'était entre des chercheurs et des jeunes, donc de 12 à 18 ans, et c'était un moyen de communiquer avec eux. Donc voilà, il y a quand on choisit le bon média social, le bon réseau social qui est adapté au public cible, généralement on a des bons résultats. Voilà, parce qu'on essaye d'étudier un peu les audiences qui sont dessus, les gens, voilà, quelles sont leurs pratiques, et derrière on touche directement les gens, on s'engage avec eux, c'est-à-dire qu'on peut échanger des messages privés. Voilà, et ça fonctionne plutôt bien. Donc là, cette réflexion qu'on a actuellement ici au CERN, c'est de voir quelle information on va mettre sur quel canal. Et puis après, on a bien sûr cette réflexion sur les trolls. On a une réunion lundi d'ailleurs à ce propos. Comment on parlait de tout ça, comment parler à ces gens-là. Donc voilà, on est en plein dans cette réflexion d'adapter les contenus à chaque média social. Alors, on arrive déjà à la fin de cette table ronde. Peut-être une toute dernière question ou réaction pour Daniel Fievé à propos de ces nouveaux formats. Il y a quelques années, on a beaucoup parlé des podcasts, du surgissement des podcasts. Est-ce que le podcast, c'est une solution qui semble se pérenniser et notamment pour accrocher un nouveau public? Alors, effectivement, en tout cas à Radio France, c'est une piste qui est largement suivie avec une préférence pour les podcasts à destination des enfants. D'ailleurs, un des derniers créés concerne les sciences, il s'appelle Olma. C'est à la fois un nouveau public, c'est aussi une façon de quand on dit qu'on écrit différemment, c'est une autre écriture les podcasts que les émissions, c'est pas juste une formule, c'est vraiment pensé comme ça. Bon, des exemples tout bêtes, mais on commence ce qu'on se disait, hein, Olivier, en préparant la rencontre, les podcasts, on rentre jamais dans un podcast par le milieu, on commence, alors que les émissions de radio, c'est pas le cas, donc on va, dans une émission de radio, on va régulièrement rappeler le sujet, resituer les personnages qui sont autour de la table et tout ça. Dans un podcast, on emmène plus dans une histoire avec un début, un milieu, une fin, on s'adresse aussi à des publics plus communautaires, on peut rentrer dans les sujets de façon peut-être plus pointue, parce que on sait que sur une antenne généraliste, tout le monde allume sa radio de tous les âges et de tous les profils, alors qu'un podcast, les gens qui vont s'abonner sont beaucoup plus pointus et ont une façon de rechercher les choses de façon plus directe. Donc, c'est une façon de réécrire les choses et c'est effectivement peut-être une façon de réinventer un peu le média audio, en tout cas de le compléter. À Radio France, c'est clair qu'ils y croient et avec, je vous dis en plus, une idée que c'est les jeunes, mais les très jeunes, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément en train de s'adresser, il y en a certains, mais pas forcément aux 18-20 ans, mais aussi aux tout-petits qui ont beaucoup de plaisir à écouter, que ce soit, alors là on est hors les sciences, mais des histoires pour eux ou des choses en lien avec l'histoire avec un grand H et aussi avec les sciences. Donc oui, peut-être que c'est un média qui a de l'avenir, le podcast. Bon, voilà, on va finir sur ce mot de réinvention qui est positif et qui est porteur d'espoir. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette table ronde. Nous étions avec Loïc Bommersbach, Social Media Manager au CERN, Alain Siroux, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace, Pascal Crépé, enseignant-chercheur en épidémiologie
et en biostatistique à l'École des hautes études en santé publique. Daniel Fievé, journaliste à France Inter, animateur de l'émission Le temps d'un bivouac. Stéphane Foucard, journaliste au Monde, auteur d'ouvrages sur les sciences et leur diffusion. Marion Sabourdi, chargée des nouveaux médias à la Casemate, le CCSTI de Grenoble. Et Yves Siama, journaliste scientifique et président de l'AJSPI, c'est-à-dire l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Oui, ben merci vraiment à tous nos intervenants, puis aussi à ces dernières notes qui, comme le disait Étienne Klein, sont des pistes pour donner du goût à la science. Vraiment, c'est aussi notre fonction et aujourd'hui un enjeu vraiment important. Pour poursuivre cette discussion, on vous invite à suivre le partage d'expériences, les connecteurs, pourquoi et comment collaborer avec les youtubeurs scientifiques. En fin de journée, aujourd'hui, 16h30, 18h, donc vous pouvez vous connecter sur les mêmes modalités. Voilà, et je remercie à tous ceux qui nous ont écoutés également et qui nous ont posé des questions, auxquelles on n'a pas pu répondre à l'ensemble des questions, mais merci de ces échanges et voilà, et à la suite cet après-midi. Merci à tous. Merci.